Je vais le tuer! Arrête, Rachel, calme-toi! Il a voulu nous descendre! Je savais qu'on pouvait pas lui faire confiance! Arrête! Arrête! Je vais vous finir! Mais arrête, merde! Regarde-le! Tu crois que s'il avait voulu nous descendre, il serait resté là tranquillement? Il s'est passé quelque chose. Nous devons savoir quoi! Rachel! Rachel, je t'en prie. Je t'en prie. Nasser. Nasser, tu m'entends? Nasser! Il est revenu, Franck. Le soldat. Il est revenu, tu avais raison. Puis il est reparti. Comment ça, reparti? Oui, il est reparti et je lui ai tiré dessus. Quoi? Rachel! C'est notre seul espoir et tu lui tires dessus. Rachel! Il a dit qu'il ne pouvait rien pour nous. Il a parlé de l'image d'un enfant mort. Il ne savait pas pourquoi il était là, mais que ce n'était pas pour nous. La difficulté pour les soldats de l'ONU d'accomplir leur mission, je n'en sais trop rien. La seule chose que j'ai comprise, c'est que l'on n'était pas plus avancé et qu'il allait nous falloir ne compter que sur nous-mêmes. Alors je lui ai tiré dessus. C'est pas possible. Mais tu vois, Franck, laisse-moi le descendre. Mais c'est pas possible. Mais bien sûr que si, c'est possible. Enfin, réfléchis, Rachel. Il n'y a pas d'ONU. Quoi? Mais à quoi veux-tu que je réfléchisse? À Montesquieu, notre seul espoir! Quel espoir? Je ne sais pas qui est cet homme, mais ce n'est pas l'ONU. Nous n'en savons rien, et là n'est pas la question. Il y a une infinité de possibilités, alors nous devons nous accrocher à ça, sinon autant baisser les bras tout de suite! Et depuis 2 jours, nous n'aurions pas vu un seul hélicoptère, ni aucune patrouille qui serait partie à sa recherche. Mais enfin, qu'est-ce que tu cherches? Mais que tu réfléchisses, bon sang! Réfléchis, Rachel! Moi aussi, j'aimerais croire, mais ce n'est pas possible. Nous sommes ici au bout du monde. Tous ces événements sont relativement récents. Et de plus, il n'y a rien ici, Rachel. Rien, tu entends? Aucun enjeu politique, aucun enjeu économique, rien! Il n'y a pas de casque bleu, car il n'y a aucun intérêt. Mais qui te parle d'intérêt? Il s'agit d'une catastrophe humanitaire, d'un génocide! Le monde ne peut pas rester les bras croisés! Mais le monde s'en fout! Je te dis pas qu'il n'y aura pas un jour une intervention. Je te dis seulement que cela peut prendre beaucoup de temps. Je vis cette situation depuis des années. Quand nous intervenons, il est souvent trop tard.